Cette année, c'est le motoclub de Bréal-sous-Montfort, une petite ville de plus de 5000 habitants qui accueille la première manche du championnat France de trial. Environ 80 trialistes, ces équilibristes à moto qui ne doivent pas poser les pieds par terre, se sont rendus en terre bretonne, près de Rennes, pour s'affronter pour la victoire. C'est entre les champs que se trouve ce terrain de trial au tracé hors du commun, découvert dans les années 80. Une épreuve qui a demandé une grande organisation et l'aide de beaucoup de bénévoles. Yves Percheron, l'organisateur, nous raconte cette histoire. C'était une lande complète. On a tout nettoyé. C'est le jardin des trialistes. C'était un rêve. C'est notre 10e championnat de France, 3 championnats du monde, le trial des nations. Je crois que Bréal, c'est le mondial. Cette année est un peu particulière pour le trial français puisque les règles du jeu ont changé. Les pilotes n'ont plus 2 fois 15 zones à parcourir, mais 3 fois 10. En plus, ils ont 3h30 pour effectuer leur premier tour et 6h30 pour tout le parcours. Le président de la commission de trial, François Courboulet, était présent à Bréal et en a profité pour nous expliquer son rôle. Gérer tout le trial en France, la France est un grand pays. Nous avons entre 2 et 3 000 licenciés actuellement. Cette année, nous avons réussi à faire un beau calendrier avec 7 compétitions. Nous avons eu des évolutions de réglementation également. Un gros changement avec la réglementation dite du non-stop. Champion de France de trial de 2009 à 2011, Loris Gubian s'était fait détrôner par Alexandre Ferrer en 2012. Il n'aura pas fallu longtemps au pilote Gaz-Gaz pour remonter sur la plus haute marche puisqu'il s'offre à nouveau la couronne en 2013 alors qu'il revenait de blessure. Mais Loris, comment on se prépare à mettre son titre en jeu? Je suis vraiment bien entraîné physiquement, vélo, piscine, natation. J'ai suivi un gros entraînement hivernal pendant 3 mois. Je me suis vraiment préparé vraiment en indoor. Moi j'ai toujours aimé ce terrain parce que j'ai fait déjà mes plus belles places en mondial et j'ai gagné beaucoup d'épreuves aussi en championnat de France ici. C'est vraiment un terrain que j'apprécie beaucoup. Puis en plus on a la chance d'avoir du beau temps. Champion de France 2012 et vice-champion de France 2013, Alex Ferrer fera tout son possible pour retrouver son titre. La chose ne sera pas simple puisqu'il n'est pas le seul à vouloir décrocher la couronne. Mais le pilote Cherco s'est beaucoup entraîné et est prêt à se battre. Alors Alex, quels sont tes objectifs? Bien sûr, le titre championnat de France et viser une 7e place au championnat du monde. J'ai fait beaucoup de sacrifices cet hiver justement et avec mon sueur. Donc on bosse énormément tous les jours, toutes les semaines. C'est le terrain où j'ai toujours été à mon meilleur niveau. Je vais dire qu'il faudrait que... Il y a des Bréal sous mon fort un petit peu de partout en France parce que, comme je vous dis, l'infrastructure est faite pour le trial. L'année dernière, Steven Coquelin était le petit nouveau de la catégorie expert. À 18 ans, il nous expliquait qu'il se concentrait d'abord sur son bac. Aujourd'hui, Steven, quels enseignements as-tu tiré de ta première saison en expert? C'est une catégorie où vraiment la moindre erreur peut se payer cash puisque bon, il y a beaucoup de bons pilotes, ce sont les meilleurs français qui sont là. J'ai eu mon bac S avec mention bien, donc ça c'était mon objectif principal de l'année dernière. Cette année, voilà, je me consacre à fond pour la moto, je vis au jour le jour et je donne tout. Cette année, le petit nouveau de la catégorie Rennes, c'est lui, Quentin Carle de Codenberg. Champion du monde de trial 2013 en catégorie Youth 125, il vient tenter de chambouler la catégorie expert du championnat de France. Alors Quentin, pas trop stressé? Ça a été assez difficile pour moi parce que cette année je dois concilier le bac et en même temps la moto, donc c'est vrai que ça a été difficile, donc j'ai dû faire des préparations avec l'équipe de France. Les objectifs c'est finir sur les podiums sur les deux championnats, que ce soit France et mondial. En catégorie expert, Alexandre Ferrer et Loris Gubian inversent leur place par rapport à la veille. C'est Loris Gubian qui s'impose devant son meilleur ennemi, Alex Ferrer. Il faut dire que Loris a été impressionnant lors de cette 2e journée de championnat, avec seulement 16 fautes au compteur, tandis qu'Alexandre Ferrer, 2e, en comptabilise 31. Les compteurs entre les deux pilotes sont donc remis à 0 pour le championnat de France. Ils arriveront à égalité à Goutrance dans l'Aveyron dans 2 semaines. Derrière, la 3e place du podium a été très disputée entre le pilote Gaz-Gaz Steven Coquelin et Benoît Danicourt de chez Beta. Allez, Rémi, allez! C'est pas chaud. Au final, c'est Steven qui s'impose avec 64 points au compteur, tandis que Benoît Danicourt en compte 68. Rémi,
C'est le premier podium en catégorie expert de Steven Coquelin. Alex Ferrer monte sur la deuxième marche et Loris Gubian sur la plus haute. Nouveau dans la catégorie senior 1, Gaël Chataigneau risque de faire des étincelles. Double champion de France 2012 et 2013, il devrait donner du fil à retordre à ses adversaires, surtout que tout lui réussit, même le mondial. Gaël, ça représente quoi pour toi l'équipe de France ? C'est tout le fruit du travail que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Je suis rentré en collectif espoir en 2010 et rentré en équipe de France, ça montre que je progresse, ça montre que des gens croient en moi et que je peux aller loin. Mes objectifs pour la saison sont simples, je veux être champion du monde 125 et je veux être aussi champion de France senior 1. J'ai bien débuté la saison avec une victoire en championnat de France et 4 victoires en championnat du monde. Dans la catégorie senior 1, la place de vainqueur a été très disputée. Gaël Chataigneau et Pierre Sauvage ont tous les deux donné leur maximum et n'ont été séparés que par 2 petits points. Au final, c'est Gaël Chataigneau qui s'impose pour sa première course dans la catégorie. Il termine la journée avec un total de 22 fautes. Le jeune pilote qui souhaite devenir champion de France senior 1 et champion du monde 125 est donc parti sur une bonne voie. En ce qui concerne la troisième place, Théo Colero n'a pas eu énormément de concurrence. Avec 47 points, il monte sur le podium devant Anthony Charlier, le 32, qui en comptabilise 65. Pierre Sauvage monte donc sur la deuxième marche du podium derrière Gaël Chataigneau, tandis que Théo Colero s'offre la troisième. La reine de la catégorie féminine, c'est elle, Sandrine Juffet. 6 fois championne de France de trial, elle est aussi montée sur le podium lors du Trial des Nations 2012. Sandrine, quand on a déjà 6 titres, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Je remets mon 6e titre en jeu encore cette année. Donc je vais aller essayer d'en chercher un nouveau encore cette année et encore un l'année prochaine pour essayer d'avoir le nombre de titres le plus élevé en championnat féminin. Les atouts qui font que j'ai gagné les 6 titres, on va dire que je suis bien entourée. Donc toute ma famille me suit. Mon frère m'a beaucoup aidée également dans ma préparation à mes débuts. Après, je pense que j'ai eu aussi un don parce que sans beaucoup m'entraîner, j'ai réussi à faire quand même des choses qui sont quand même pas mal. Alors que d'autres s'entraînent beaucoup plus et n'y arrivent pas. Du côté du championnat féminin, la manche de Bréal sous Montfort n'aura pas échappé à la règle. Sandrine Juffet s'impose sans partage. Pour la première fois, les filles ont intégralement suivi le tracé de la catégorie senior 2 et ont donc pu se mesurer aux garçons. À la fin de la journée, la championne de France en titre ne comptabilise que 47 points, et ce malgré quelques loupés dans son parcours de la journée. Pauline Mazan, deuxième de la manche, en compte 78. Dernière fille à participer au championnat de France de trial, Laurie Erhardt, est forcée d'abandonner, blessée au genou. La pilote du motoclub de Châteauneuf semble donc bien partie pour un 7e titre de championne de France. Sandrine Juffet monte donc sans surprise et sans contestation sur la plus haute marche du podium devant Pauline Mazan et Laurie Erhardt. À la fin de cette deuxième journée de championnat de France de trial à Bréal-sous-Montfort, les pilotes ont été satisfaits de leur performance
et ont surtout salué celle du club en matière d'accueil. Ils ont d'ailleurs été nombreux à complimenter le terrain breton. Ça confirme que je suis au niveau pour pouvoir prétendre à un podium final. Ensuite, pour ma part, j'ai pas fait une course parfaite au niveau des points, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais l'essentiel, c'est que ben voilà, je suis sur le podium ce soir. Ça me permet de me reclasser un peu bien pour le classement général, pour la suite. Et je suis quand même assez satisfait d'avoir fait 3e. Certes, je m'attendais à la première place. Cette année, je pars pour vraiment remporter le titre. J'ai fait un très très mauvais premier tour. Loris a roulé très très fort aujourd'hui. C'était difficile, j'étais conscient que ça allait être difficile de remonter, mais bon, j'ai rien lâché jusqu'à la fin et j'ai sauvé les meubles, donc plutôt satisfait de ma performance. C'est vrai que j'ai fait 2 erreurs en trop dans la globalité du trial, mais je joue positif, c'est pas si mal et je suis assez content de mon pilotage. Très satisfait de ma première journée, j'ai vraiment déroulé un bon trial. C'est vrai que hier c'était un peu compliqué parce que bon, je sauvais les meubles en finissant deuxième, mais je me suis pas mis dans le bain tout de suite. Alex a vraiment, vraiment bien roulé, a su se mettre dans la course tout de suite. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le trial. Mais bon, satisfait de reprendre parce que du coup, on est ex aequo maintenant avec Alex. Et ça, c'est, je pense que c'est une bonne augure pour une fin de championnat mouvementée. Et je pense qu'il va y avoir la guerre à chaque épreuve maintenant. Les pilotes se retrouveront le 18 mai prochain à Goutrance, dans l'Aveyron, pour la 3e journée, avant de se rendre à Val-de-Bord, dans les Alpes-Maritimes, le 22 juin.